Alors, bonjour, monsieur Alain Bolodja. Bonjour, madame. Élection Eliki, Toyebi bien. Et puis, gagnant déjà à Yebani, comme CENI déjà a proclamé, qui déjà a fait un résultat provisoire. Isali Félix Antoine Tshisekedi avec 73,34%. Largement en tête hein, par rapport à candidat Nyonso surtout. Mais lecture n'a eu par rapport à l'élection, à résultat. Parce que quand même, Tomoni CENI a qui centre ça. Comment est-ce que votant, vota qui tel ou tel autre candidat? Bon, madame, la manière dont vous avez posé votre question, il y aura une question fermée. Vous confirmez qu'il y a eu élection, vous confirmez qu'il y a eu gagnant, et vous me posez la question, quelle est mon appréciation par rapport à ce qui est... Je ne confirme pas. Vous savez qu'il y a eu élection, bel et bien élection. Non, non, il n'y a pas eu élection. Ah. Le 20 décembre, vous avez consacré une élection. Le 30 décembre, là, qui congrès a eu des UDPS élargi aux alliés. Oh. Et je pense que bateau union so bazali conscient baebi comment les élections s'organisent ba ko binga o wana élection te donc ba mélai population na kati ils ont fait semblant d'organiser les élections, ils ont fait semblant d'organiser le vote sans respecter les grands principes de la vote. Principe ali bosso ezali que mutu nyonso yo a s'enrôler qui ala qui n'a droit à ko voter. Et principe mutu ezali et c'est là que les élections et ça les ma au même moment partout pour na ko permettre à ce que qu'il n'y ait pas fraude. Il vous souviendra que M. Félix Tshisekedi tant ba kutana kina ba les autres opposants, les autres candidats na niveau ya CENI, il avait soulevé une question il y a fuseau horaire. Alinga qui a sait que les élections banda au même moment et on lui avait rassuré qu'il banda au même moment quand même qu'il y a qui na moi ma difficulté à comprendre le cas où ils allaient à la heure par rapport à la fuseau horaire. Et là, M. Zali, le principe où ils allaient imposer dans l'élection une personne, une voix. Il faut malheureusement, nous nous sommes rendus compte que bah, ça lui semblant y a qu'organiser l'élection, ils ont exclu une bonne catégorie à Congolais. D'abord, au Bazaï qui enrôlait sous prétexte qu'il y avait un problème logistique. Il y avait un problème, il y a déploiement, il y a Bakit. Ils n'ont pas publié la liste, il y a pas votant 15 jours comme le voulait la loi. Ça créait un désordre. Et le bureau, certains bureaux ont été fermés avant parce que, ils avaient qui en défaveur à Félix Tshisekedi. D'autres bureaux, ça lit 3 jours consécutifs, na vote, en violation à principe, il y a égalité. Le bureau, Moussoussou, et Fungwami, 5 jours après, le jour où il y a ouverture, bref, tous ces désordres-là, élection, parce que la grande norme n'a pas été respectée. Mais ce qui est encore très grave, la publication des résultats. Et ça, l'a mis dernier mot, élection a failli, c'est qu'il y a un congrès IDPS. Ils ont publié les résultats, d'abord partiellement, et après, ils ont condensé les informations, on va bénir les résultats. Tout le monde, apparemment, ou sinon, les inconscients ont applaudi, mais personne ne se pose la question sur base de quelles dispositions de la loi ou publication en Esalami. Parce que Ngana Yebi que chaque fois qu'il y a vote, au début, il y a processus, c'est-à-dire le jour où il y a vote, on établit un procès verbal d'ouverture. Et ce procès verbal d'ouverture doit porter la signature des témoins au Badali présent. Avec les autres membres. Après, Bakobanda proposé un vote et à la fin, il y a un procès verbal sanctionnant à la fin des opérations avec le fiche des résultats où ils allient des documents légaux pour prétendre avoir organisé des élections dans une circonscription, dans un bureau donné. Ce qui va s'illustrer qu'on a pas donné, il y a un bureau de vote. Un centre de vote. Ce qui va s'initier au niveau du centre de vote, va même au niveau du CEP, secrétariat exécutif provincial, où on va organiser la compilation des données par rapport à une province. Et ça, l'ami bon côté. Et c'est sur base de cette compilation que l'on publie les résultats. Alors, rassurez-moi que ça. Mais dans le lingue, on va même mettre ça, l'ami bon côté. Mais moi, je vous dis, ça, c'est le banditisme électoral.
la loi n'a pas été respectée. Non seulement que le vote est salami selon la loi, mais même la publication à résultat est salami. Qui peut prendre le risque aujourd'hui de me dire que ma pluie, il y a Aru et Komaki n'a déjà ça avant publication? Qui peut prendre le risque à cause de sa mère Abondanaga et Komaki? Qui peut prendre le risque à cause de sa mère Yamalimbankou et Komaki? Qui peut prendre les risques à Koué Bissanga, il y a Poporabab et Komaki? De tout le monde, que les technologies, parce que ça, là, quand même, ça, là, et maman, là, c'est que les gens, ils ont été en train de se parce que pour la volonté, la quitte à la coupe, ils ont été en train de se 4 jours. Mais si vous aussi, vous pouvez venir à Kenny et Salami, pour la volonté, la batterie, pour la Yawa, et pour mon attente, il y a une gueule. Dites-moi, qu'a-t-il fait? Parce qu'il y a des gens qui ont voté le 25. Donc, c'est en 3 ou en 1. Non, mais c'est en 3 ans. Est-ce que vous savez que M. Kadima, bon, peut-être que vous ne le savez pas, M. Kadima a approché un enseignant corrompu. C'est-à-dire qu'il distribue le point sans intelligence et à la fin, il se rend compte que le pourcentage à PC-moi est largement supérieur à la totale où il y a PC à Bakaba. Mais c'est un coup à le Bakango quand même qu'il y a un candidat qui, a là, qui est largement en tête. Non, seulement à se déplorer les irrégularités. Non, sont... mais les candidats largement en tête dans quelles circonstances? Par rapport aux personnes qui ont eu à voter, pas par rapport à la mafia où ils ont été organisés. Maman, ce qui Senko a se basé par rapport, il y a ma fiche à résultat où il y a Monaki. C'est-à-dire que Senko a été présent et c'est qu'il n'y a pas voté. Senko a donné mon fils. On n'a pas considéré les données à Senko. Senko a obtenu quand on a affiché un résultat avec des témoins qui ont signé. Mais lui, celui qui a publié, n'a pas considéré. Ils n'ont pas la même base de raisonnement. Senko a osé là. Non, les candidats en tête, si on a fait un homme Félix, c'est Nengwa Tbakanisaki. Non, mais maman, il n'y a pas eu élection. Il n'y a pas eu élection. Il n'y a pas eu élection. On a dit que vous comprenez bien. Maman, il n'y a pas eu élection. Ce que vous avez vu, vous savez la différence qu'il y a entre une évidence et une réalité. Commencez d'abord à comprendre. Vous avez vécu une réalité. Au moins qu'il va attaquer pour voter. Mais l'évidence est d'aller qu'il n'y a pas d'élection. S'il y avait élection, on allait respecter la norme. Les élections, elles allaient gérées par de lois. Ce n'est pas par de sauts d'humeur des gens. Ce sont de lois. Si la loi n'a pas été respectée, il n'y a pas d'élection. Il faudrait que toute personne qui était en droit de voter a participé à la vote. Des gens ont été exclus parce qu'on a refusé d'afficher les résultats, le fiche, d'afficher l'élite. Il y a pas votant bureau par bureau tel que le voulait la loi. 15 jours, il est qui? 7 jours, il est qui? Le même jour, et pas commis devant le bureau de vote, ils seront moyens de voter pour qu'on a vu les années. Tout le monde est baliste, ils allaient quand même afficher bureau. Non, mais ça a été affiché le même jour. Oui, le même jour. Non, mais il y a un contentieux de liste, maman. Petit cause à s'adapter, n'a pas fait. Mettez plutôt l'accent sur la norme. Dites-moi, moi, je me fais enrôler, par exemple, dans Mungafula. J'arrive le jour du vote, je me rends compte que comme on a mis les dates, je fais quoi? Mais ceux qui vont chercher à moi au moins 2 semaines avant, je peux savoir qu'effectivement, comme on a mis les dates, en ce moment-là, comment? Voilà pourquoi je vous dis, il y a des gens qui ont été exclus. Il y a des bureaux où ils font un après l'heure, il y a jour où on va ça. Il y a même des bureaux où ils font un ami, tu vas y aller, tu vas voter, il y a des bureaux où ils font un ami, à 9h, à 12h, la machine est tondue. Mais alors, qu'est-ce qu'on doit dire par rapport au pourcentage où le candidat Moussou? C'est vrai qu'il n'y a pas eu élection, effectivement. Mais Martin Fayoulou, n'est-ce pas qu'il mérite? Et Moïse Katumbi, n'est-ce pas qu'il mérite? Maman, il n'y a pas eu élection. Vous, vous parlez de pourcentage. Je ne sais pas comment on va continuer dans ces pays. Bon. Parce que, non, pas vous. Mais on arrive dans ces crises, dans ces crises politiques. Mais aujourd'hui, il y a la crise politique a commencé bien avant. Nous sommes là, en France, il y a un mystérisme. Heureusement, j'ai aimé, apparemment, tous ceux qui sont contre ce qui a été fait. Par contre, nous, qu'on a emprunté la terre de Nanga, c'est qu'un mystérisme électoral, au nom de l'élection, et ça pour relancer le débat sur l'avenir de notre nation. Dites-moi un peu,
qu'est-ce qui a manqué pour avoir les bonnes élections? Apparemment, ils avaient le moyen d'organiser les bonnes élections. Peut-être qu'ils n'avaient pas l'intention de le faire. Et donc, vous n'êtes pas d'accord avec Martin Fayulu et Moïse Katumbi? Il n'y a pas eu élection. Pour dire que va réorganiser l'élection. Parce que ne réorganise que ce qui a été organisé. Nous sommes tout développé sensibilité sur le terme. On peut être réélu que lorsqu'on a été élu, on peut réorganiser que lorsqu'il y a eu organisation. On n'a pas organisé les élections. Ça, c'est le congrès des lits de pêche élargi aux alliés. Parce que ce que la population va participer dans haut. Non, mais il est prêt à élargir aux alliés. Il y a des gens qui ont accepté d'accompagner tel que Batoto Tangara Kombo. Ils ont accompagné l'organisation de l'IDPS. Mais si vous vous référez à la loi n'a pas été respectée, maman. Si la loi n'a pas été respectée, naturellement, il y a une délinquance. Et lorsqu'il y a délinquance, il n'y a pas élection. Dans la décision de Martin Fayulu au départ, qui disait que au participer à l'élection, mais entre guillemets, qui était là, convaincu. Il avait bien réfléchi. Oui, mais qui était convaincu par ma partenaire Naé, c'est ce qu'on a appris. Ouais, c'est ce qu'on a essayé. Donc, tout le monde qui est baronné, surtout. Bada, ma partenaire Naé, mais Bada, pas tout. Bon, en fait, on peut prendre ça comme des partenaires, mais dans le sens large. Et l'autre année, après, il avait pris la bonne décision en rejetant ce simulacre, c'est son terme, le simulacre d'élection, que moi je considère le banditisme électoral. Parce que là, il allait au moins avoir des mains propres. Mais aujourd'hui, il ne peut pas s'en dédouaner parce qu'il fait partie de ceux qui ont créé ces conditions-là. Essayez de vous imaginer. La publication n'a pas été conforme à la loi. Le vote n'a pas été conforme à la loi. Nyon Sorana, les gens de la banditisme. Kadima, en tant que ce mauvais enseignant, a donné un pourcentage à chaque candidat. Avez-vous pris le soin de faire la sommation? Apparemment, là, vous tenez qu'on a... Comment? Parce qu'on a plus de 100%. Comment? Ben, on a 26. Bateau va participer, ben, 26. Comment la sommation à pourcentage en un euro à 100%, plus de 100%? Dites-moi, vous allez expliquer ça comment? Parce que par rapport à ce qui a été fait, c'est les 100% qui est divisé par rapport au nombre de candidats. Comment on peut dépasser 100%? Et M. Félix Tshisekedi, dans son impopularité, a eu 73,34%. Comment vous allez expliquer ça? Sauf aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi. Oui, c'est 2018. Non, mais justement, parce que je vous dis, ces données-là ne reflètent aucune réalité sociologique. Mais bah, mais ça n'est qu'un bon ma belle, il dit qu'un bon. Non, mais effectivement, là, il dit qu'un bon ma belle, c'est-à-dire qu'il avait mis l'État dans ma belle. L'État a commis dans ma belle, n'importe quoi. Mais FCC n'a pas parti, n'a pas pris part aux élections. Qu'est-ce que j'ai appris que c'est une question parce que. Non, mais il y a un coup froid. Il y a un coup froid. Le père de l'article 64, bah, on peut basaler qu'au Sénat, c'est qu'il va appliquer à. Bah, moi, je vais faire l'article 64. Les aïeux, tu vas comment? Les aïeux, tu vas comment? FCC. Et Koufa, le FCC Koufa. Mais bien sûr. Mais Koufa quoi? Bon, je suis à point. Oh. Ils servent à quoi? Parce que tout ce que nous vivons est à cause. Mais monsieur Molo, je vais mieux poser la question. FCC, comment est-ce que FCC? Est-ce que j'étais le seul à être dans FCC? Moi, je n'ai jamais été membre FCC. Mais l'autre a décidé que FCC Koufa. Je n'ai jamais été membre FCC. Vous étiez en Mokoutou. Je n'ai jamais été membre FCC. Donc, ça veut dire que la décision là-bas, aux contestations là-bas, tout est en mode de côté et tout comme ça. Non, mais il y a un problème, il y a toujours à ça. Moi, j'étais membre, il y a MP, majorité présidentielle. Le FCC a été créé alors que moi, je partais de ça. Mais il y a un lien dans la carte de Sanya Joseph Kabila. Dans la Joseph Kabila, dans la domaine, dans quel ministère? Dans le département. Oui, ça va toujours, il y a des fêtes de la loi. Bon, là, ils sont mal éduqués. Dans la culture, il y a beaucoup ça. Mais pourquoi? Non, n'allez pas capitaine. Non, attendez. Tout que veut là, c'est aussi la raté en bas. Kamere a créé AMP avec Kabila. Kamere a créé tout ça avec Kabila. Il a assumé les fonctions. Il était un proche de Kabila. Moi, je ne l'ai jamais été. Badi, Mbosso, Samaloukone, Ozui, Badi Bana, Ozui, Mendo Malanga, tous ces gens-là. Oyonani, comment il s'appelle Guy Rwando. Voyez-vous, c'est-à-dire que l'essentiel aujourd'hui, dans la ministre, il y a un ministre industriel, ancien gouverneur, ce sont des gens qui ont travaillé avec
avec Paloukou. Ils ont travaillé avec, avec Kabila. Moi, je n'ai jamais travaillé avec Kabila. Jamais. Jamais. Et pourtant, les gens vous pointent du doigt. Non, mais justement, parce que Bahédi, que la voiture, la maman, elle est. Non, maman, dites-moi un peu. Entre Mann et Alain Bolotoy, qui a travaillé pour Kabila? Entre Mende et Alain Bolotoy. Alain Bolotoy n'a jamais travaillé pour Kabila. Et c'est Kabila me connaît d'ailleurs. Kabila ne me connaît pas. Qui m'a déjà vu avec Kabila? Dans les autres niais, c'est ça. Mais je n'ai jamais été membre. Je n'ai jamais été membre. Il y a un pays. Mais le voilà avant que le parti Nanga et pour maman Béatrice. Mais alors, article 64, pourquoi vous appliquez Il n'y a pas eu d'élection, il y a eu délinquance, c'est-à-dire qu'il y a eu violation intentionnelle de la Constitution. Les gens ont accédé au pouvoir par la force, ils veulent se maintenir au pouvoir par la force. C'est une obligation. On est obligé d'avoir appliqué l'article 64. Mais alinéa 2, ça dit autre chose quand même. Non, mais alinéa 2, on va pas tant qu'on est toujours, on va pas tant qu'on est. Mais et le bénin est aligné à Dieu. Bon, il va monter. Il est vrai. Mais n'oubliez pas, nous, d'être comme des inconscients qui ont vendu leurs âmes moyennant quelque chose. Voyez-vous? La Constitution nous impose à nous, Congolais, y a côté de la Moutignon, soit à d'autres à vous conduire par la force, c'est à la pour exercer un mot en violation de la Constitution. Ça, c'est une obligation. C'est ce qu'on appelle impératif. Deuxième alinéa, le livre. Tentative, union, il y a renversement, il y a régime fonctionnel. Vous comprenez? Et Zali, pour exposer la mouto à deux salles à l'angot, la sanction par rapport à la, conformément à la loi. Cela veut dire quoi en fait? Le régime fonctionnel, il faut dans le bas-baïeba, et d'anime. Parce que Bakbao Kansakir, sauf au Télémeli Félix Sekeli, il a qui c'est au Télémeli régime fonctionnel. Sauf au Longoli Félix Sekeli n'a pas connu, parce qu'il le mérite. D'ailleurs, si nous étions dans un pays sérieux, c'est M. Lévesque en prison. Le coup la France, Bakbao Iba Kanga Félix Sekeli, Bakbao Iba enclenché l'article 104, parce que le Babino, ce qui vous méquit, c'est qu'on enclenché l'article 104, le deuxième alinéa. Non. Que ce soit le premier alinéa, que le second est la ligne complémentaire. Premier alinéa, ils ont insisté sur le mode de pollution à pouvoir et sur la gestion de l'État. C'est-à-dire que ce qu'on a dit beaucoup, la dernière année, tout ça, les liens en violation de la condition vont être éliminés. Deuxième alinéa, ce que je dis, ce qui n'a pas été mis aux autres salles, au long de l'État n'a pas formé à l'île, le lingue à l'île organisée. Le régime politique et la Kissi, le lingue va organiser, le lingue va caboler beaucoup dans l'État. C'est ce qu'on appelle régime. Alors, si on parle de régime constitutionnel, il a dit que le lingue par caboli le président de l'État conformément à la Constitution. C'est-à-dire que nous sommes dans un régime semi-parlementaire ou semi-présidentiel. Sauf qu'on change un mot, on ne peut pas mettre une monarchie, mais il va être fait comme ça. Mais c'est qu'il y a comme un roi, bango de Togoté, mais la bango, et bango kangabango, parce qu'ils ont violé la loi. Ah, donc ils ont mis noté Moutouo Bolingui pour ça, là, tout pour renverser le régime actuel. Non, mais on est, qu'est-ce que vous entendez par régime? Il n'y a pas de régime actuel. Les gens, par exemple, le concept de la rue, par exemple, mais Mango va faire ça, va habiller un mot fonctionnellement. Lorsqu'on parle régime dans la Constitution, on ne fait pas allusion à l'administration de sécurité. On fait allusion à la répartition des tâches au niveau de l'État. Nous avons opté pour un régime semi-parlementaire ou semi-présidentiel. Alors, dans le régime, Pesekel n'y est pas. Il assume la fonction du président. Nous ne visons pas le régime, nous visons la personne qui a violé intentionnellement la fonction et qui a accédé par la force. Ce qui se trouve à être un parti qui prétend avoir des juristes et tout. Bon, moi je le comprends. Mon hein. Bah, celui bazar constipé. Hein, par la fraude et par la tricherie, le raisonnement est comme un problème. Ce qui va dire qui va tramer, il va même poser une question. Quelle est l'opposition, quelle est la première opposition à avoir fait mention de l'article 64? Et là, pardon. Il y aura 64 ou 64. 65. 65, ça n'a rien à voir avec ça.
64, bah moi, avec ma soeur, 64. Oui, en 2016. Non, mais effectivement, ils ont parlé d'articles. Ils ont commencé par 2015 pour faire pression pour que ça ait un dialogue et que ça ait une possibilité de faire un dialogue. C'est-à-dire que, bah, dans la poste, va appliquer à la disposition ce qui va avoir la position à faire. L'article 64 et la liste, ça fait partie de la Constitution. Si vous ne l'appliquez pas, vous violez la. Ce n'était pas 68. Non, 68, c'est en rapport avec les institutions. Non? D'accord, ok, bon, d'accord. Alors, mais il y a une question dans le bac qui est juste au début. Au début, crise politique, tu comme tu n'as qu'à contestation. Je ne sais pas ce que tu as dit, mais tu as une guerre civile parce que déjà, Nagoma, le jeune, ont décidé de marcher. N'en parlons même pas, tu as un tribalisme vraiment fort maintenant. Tu as un même bac à ça. Mais, toujours qu'il y a un autre. Ok, bien. Tous ceux qui visent tout ok. Ah, na bisopé. Bon, bah t'as pouvoir, bah ok, nous vers le mouchoir, bah ça devant la table, bah on la, bah on s'est pas asservi, bah lia, et puis ils vont protéger les intérêts à Moutaro les savants. La population, à ça causé là, bah résultat, là bah problème naïe, à ça coûté là, na bah t'as pouvoir, na biso. Biso, toi na pour savoir respecter la loi. Pour que tu aies la possibilité de convaincre le peuple après sa vie sur confiance au pouvoir. On a là trois groupes de gens. Alors, les délinquants sont ceux qui sont au pouvoir. Ils violent le droit, ils violent la norme. Nous, nous rappelons à la population, il y a ma norme violée, et la population fait pression et sur nous, et sur le pouvoir. Alors, ils ont dit, ok, peuple, le gros, il y a pression, formule la liste, il y a un souverain. Enclencher l'article 64, nous n'avons pas accompagné. Mais c'est donc qu'il n'y a pas de il faut que vous donc, peuple, oh, non, mais finalement, dénominateur commun, la vie, c'est-à-dire la République démocratique du Congo. Dénominateur commun, la vie, nos bananes. Non, pays qui a deux nations. Pays qui a deux patries. Mais comment ça? Pays qui a deux patries. On a deux patries. On considère la Belgique comme sa seconde patrie, parce qu'il y a Kolapuna. Basi moi bon nanga ba basi na ali misanga moi si naie na bana naie na senga boli ni sema na moi si naie na bana naie bana na potu ba ba bench rien ne vous rassure que pays qui n'a pas changé de nationalité c'est possible que la côte ça pas étranger non on a dit rien ne vous rassure qu'il n'est pas étranger c'est possible que la côte ça dossier va répondre en 2019 alors bah c'est hypothèse hein. En 2019, même formellement, l'acquis président a étouffé. Moi, je n'ai que ça. Je n'ai que le Congo. Et puis, deuxièmement, je me suis marié avec une Congolaise, contrairement à Batumsu. Vous comprenez? Je suis marié avec une Congolaise qui a deux tribus. La question à tribalisme est intéressante parce que mes enfants en ont trois. Moi, je ne vais pas pour l'unité nationale. Je ne me bats pour ma patrie. Je n'ai que ça. Je n'ai que ça, maman. Na botami na kolia, na pa na kaka. Mais Félix pas botami na kolia, fanda papa il pas. Papa na eto yebie. Non, moi je ne peux pas, douter de Tshisekedi. Tshisekedi est notre frère. C'est notre frère à nous. Félix aussi votre frère. Na dans le badge, Tshisekedi est notre frère à nous. A botiana wa a kolia wa, a ibine ba liya ba matoka, a liya ba ndika, a liya ba tout ça to kolimia wa. Na bot douter. Adam madame meya ma bina ndira. Mais Makamou, le haut, le bas, il est irréprochable. Mais Félix Tshisekedi a deux nations. Voilà, mais tu as peur. Félix Tshisekedi a deux nations. Bon, je dirais même trois. Un à trois. Après, même qu'il a pas angolais. Oh. C'est bon, le bas. Mais qu'il a pas angolais, il est sur la tête. Au Moscou, on va vivre malangé dans la commune. Dans le territoire. Malangé, dans le territoire. Voilà, côté maman. Côté maman, là. Mais bien mon dans le bas, et puis tu sais que tu as tout bas là-bas congolais. Maman Marta, tu as un côté angolais. Maman, tu as un congolais, c'est ça, parce que ta maman est. Papa n'a rien de tout angolais. Papa n'a rien de tout angolais. C'est dans 4 années, tu as un maquillage angolais, maquillage à Tétera, maquillage à Swahili, maquillage à Louba, tu as un 4 maquillage. Mais dans ton bonité, dans le lobby par rapport à l'opposant, surtout, tu vas contester. Bango tout, dénominateur commun à Bango, et ça dit la fin. Mais quand ça a pu sauter, maman, moi j'ai vécu. Si quoi, Bolingi, Bolingi, peuple en haut, Abimaraka, Libanda, Bino Botaka, au devant de la scène, au devant de la scène, Bakoufa, Kabino, Bino, Siko. Oh, besoin d'aider pour tout le monde. Ah, donc, oui, qui va au Koufa.
Tu es dans l'obité. Vous avez vu comment ça se passe? Non, là, tu es pas comment ça se passe, ça veut dire quoi? Na bana ya mi mwa ni mwa mbala atambwana ya nga na mwona Martin Fayulu atambwana bana shikolo Martin Fayulu abimisi mwasi abimisi mwana abimina ye nga na ye nga moko paske bana nga pete pako nona age ya ko marche te yo ozo banga ko marche ni to kufa oose nga kito ni sabana biso ka ato bima ni yo papa na bimite mama na bimite yo mwa bimite ako na su ozo jambo resha. Est-ce que c'est pas sérieux? Moi, je suis dans le bavou. Soit il est pouvoir, soit c'est une intention. Nous sommes là en train de parler de notre avenir. Moi, je me sacrifie. Si moi, je meurs aujourd'hui, pour me contacter, ceux qui ont marché, pour manifester, il faut qu'on occupe. Vous voulez qu'il ne va pas me poser une question. Ceux qui n'ont qu'à vous revendiquer un droit, n'ont occupé à quoi aller? Pourquoi? Pourquoi quelqu'un a dit qu'il n'a pas la base pour revendiquer son droit? Bon, posez question à terre. Mais toi aussi, quand il y a Brossimo Kendi, comment est-ce qu'il est Kaki, comment non, jeune. Mais si les jeunes aspirent aujourd'hui, c'est vrai, les jeunes aspirent aujourd'hui à un avenir meilleur. Mais avenir meilleur en gros. Mais nous, européens, c'est bon. Mais pourquoi Bisso banane. Bah, opposant. Oh, maman, est-ce que c'est toi pour moi, les gens, surtout. Ah, mais effectivement, il faut le balader. Toi, pour nous, on a opposition à terre. Toi, pour nous, on a pas au pépé. Pourquoi nous, on a accepté le résultat au thé Mais le résultat, il n'y a pas eu élection. Il y a eu banditisme électoral. Na yito ke na logique mo sa. Batba o lo bake, batba marché sous souté parce que aussi vous que na. Mais avant aussi vous que na, va tout ça va faire. Oli kimba, oli mamba, oli ba mamba, oli anani. Ba buma ba mo po ba buya la dictature au Etienne Tshisekedi soutenant. Oli muzungu, oli nyanga, oli lengesi, oli nduzi. Oli combien de batba buma ba mo po ba buya ka ces gens-là, il faut faire calade. Tout est dans le stade de Marty Poen. Pourquoi il faut faire aussi, vous qui n'êtes pas les seuls à faire pour Napoléon, à faire Bélé, si c'est qu'il y a des Félix, gouvernance, il y a des bombes, il y a des pèses. Il y a des marchés pour Malonda, contre Malonda. Il y aura toujours des gens qui vont mourir. L'essentiel pour nous, et d'aller que tout petit qui là-bas n'a pas eu l'héritage à ma bêté, un monsieur comme Félicité, Azaki, on est comme des panthères, a commis dictateur, a commis despote, le loi a commis qui. Si vous avez eu le but, le corps vous n'a rien à faire, le corps vous n'a rien à faire, au cas où ma bouche, mais moi, je vous fais. Il faut qu'il y ait des gens. L'histoire du Congo va s'écrire avec le sang de sa jeunesse, de sa population. Ceux qui vont pour ça pour changer, il faut qu'il y ait des gens qui acceptent la mort. La France aujourd'hui a comment stable parce que des gens ont accepté de mourir. Ceux qui vont mourir, qui vont mourir, respectez la loi, c'est simple. C'est simple. Mais quand même, oui. Il y a toute la question. Il y a au marché, j'espère. Non, mais soyons réalistes aussi. Non, mais non, ça, ce n'est pas le réalisme. Bah, tu vas en apprendre ça.
y a pour ça un raisonnement de pousser. Pour que les choses changent, il faut pas. Pourquoi il y a l'Olanda alors que Félix est encore à l'eau? Donc Félix a salé l'eau au Moroté dans mon cas. Mais il y a un peu de Moutaolanda. Félix a salé l'eau au Moroté. Non mais Moutaolanda. Il y a un peu de Moroté. Non, il y a maman. Il y a un peu de Moutaolanda. Et on va accorder ce mandat. Pour le peuple accorder ce mandat. Maman. Pour bon guisa. Tout qui est analogique. C'est une logique, la question est posée. Il y a peuple. La question est posée, Kassi. La question est posée. Je vais supporter la réponse. Comment est-ce que je vais supporter la réponse? Jeune, à bout de temps, il y a une richesse. Il y a une richesse. Il y a une possibilité de créer un emploi. Il y a une possibilité de faire un bloc. Il y a une dépense. Au même moment, c'est qui a dépensé 380 millions de dollars. Pour nous acheter des lumières au Tonga Centre Financier. Entre le Tonga Centre Financier, on a créé des conditions à la jeune pour qu'il va créer un emploi. Lui, il a préféré, Centre Financier, pour permettre qu'il y ait, à la photo, à la communauté internationale, à monnaie qui a mon compte. Mais le peuple, il a un peu de temps. Il a un siège à l'institution. Il a un peu de temps en location. Et, tu as une location, il a un hôtel d'être. Il a un hôtel d'être. Bah, aujourd'hui, le ministère de la Finance, le ministère du Budget et leurs dépendants, bah, tchè, bah, on pourra ça dans la condition les meilleures. Mais partout, il y a un bazar, bah, on va contribuer. Bah, on a 5 000 dollars avant d'activité. Mais quand vous imaginez, bah, j'ai un yéli, ou bah, il y a pour filmer, bah, on a mis, quand la caméra, et vous t'en accordez, bah, 500 000 dollars à l'occasion. Vous pensez, si bah, j'ai un crédit. Si vous avez un pour ça, j'ai un changé dans le pays, c'est que. Il y a raison d'encourager l'entrepreneuriat. C'est même chose, c'est une criminelle économique. Comme un jeune de Sayote, le comportement de ce pays, c'est qu'il faut vous pousser un Congolais normal à soutenir. Les dépenses qu'il a effectuées pendant qu'il est au pouvoir. Bon, vous en avez été? Vous en avez été? Ce monsieur a dilapidé le monde de la République. Si vous jeune aujourd'hui, ça n'est pas. Si vous voulez que les choses changent, il faudrait que ceux qui sont au pouvoir bah, respectent le peuple. Il y a un acte président de la République. Le quoi n'a yéti n'a yéti n'a tanga maram ya développement. Au lieu que n'a ça la centre financier, y'a saliwana. Pour n'a boulak sa patrie, à la pour n'a quoi imposer, bah un culte. J'allais prendre cet argent et construire la route, Tikapa et Kikuti. En ce moment-là, bah jeune y'a Kassai. Aroko l'oma Kikuti n'a tanga, Tikapa n'a tongo, n'a pas 5 heures, bah 12 heures pour n'a gintjas. Yo boy. Au sali, centre financier, pour que bah, inconscient, bah, ça reste le fil. Bah, ça, il va jeter des lumières, bah, là, qui s'y voit là, le bilan est positif. Mais au lobby, il n'y a pas de bâle, pas comme ça. À l'ONU, sur aujourd'hui 380 millions de dollars, au tien à l'Ilanda, pas de bâle, il y a. Alors, comment quelqu'un qui est. Mais il y a un peu de bâle, 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 il y a un peu de bâle. Donc, ça veut dire qu'il va pouvoir saisir Bangoto. Oh, automatiquement, il va accepter. Non, attendez. La Cour constitutionnelle a été saisie par ce candidat-là, que moi, je n'avais pas soutenu. La Cour constitutionnelle a répondu en tant que. Bon, Naïbé Sora a répondu en tant que militant, tout quoi, a rejeté ma remarque n'a pas rien. Mais pendant que nous sommes là, tout le monde parle de ce qu'ils ont fait. Les retards par rapport à déploiement, les questions logistiques, et qu'est-ce qui s'est posé, en termes de qualité et ainsi de suite. Ce qu'ils ont fustigé, c'est ce qui a été vécu. Même dans le rapport Yasséni, ils vont revenir sur ça. Pourquoi la Cour constitutionnelle a été rejetée? Avis recevable mais non fondé. Mais maintenant, là, tout ce qu'ils avaient fustigé, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Vous parlez de quel groupe? La Cour illégitime? Au pays d'Amassou, la Cour unie. Toi, le hôtel, la juge de la Cour constitutionnelle, c'est dans la conscience tranquille. Alors, comme vous êtes dans la conscience tranquille. Non, on a la conscience dans la commune. Non, dites-moi. Dites-moi, Kamuleta, bon, je ne sais pas si c'est Kamuleta, le président Séni, il y a un coup constitutionnel. À combien d'années? Il y a eu l'élection, donc ça m'a rappelé combien d'années? Oh, mais l'élection, mais à combien d'années? Élection, oui, mais à combien juge il y a un coup constitutionnel?
Comment on a tenu? Parce qu'il y a des dispositions là, pour réglementer comment bah, vous allez renouveler, comment bah, vous allez tirer au sort. À quoi vous n'avez pas? Mais les gars, ils vont tirer. Et les gars, ils vont tirer. Bah, tirer au sort. Oh, bah, tirer au sort, wapi, maman. Il y a une norme maintenant. La loi n'a pas été respectée, maman. Donc, ça veut dire que le régime, oh, le arrêts. Attends, aucune, il n'y a aucune loi qui reste. Je vous dis, je peux vous certifier, même le nom de celui qui est présenté comme président, c'est un faux. Tout. Non, quand tout est à faux. Non, la rosilica n'est pas faux. Tout est à faux. Tout, sans exception. Diplôme, combo, et tout ça, non, c'est à faux. Et on va voir, mais il est triché. C'est-à-dire que le fait seulement que les gens ne veulent pas respecter, voilà, tu es là, et demi pour de la lune. C'est-à-dire que le fait seulement que. Le fait seulement que Batoubao respecte l'normalité, les gens prennent encore les risques d'applaudir. Alors, on va voilà. Terminer. Corneille Nanga, Otoye Bibisonio Sotoaza, qui président a signé, a proclamé qui Félix Antoine Tshisekedi a gagné l'élection 2018. Lelo Corneille Nanga s'est retrouvé être président d'un parti politique aussi, a se retrouvé dans Routour ou Lelo avec le M23. Qui veut renverser les pouvoirs actuels parce qu'il y a le biais était les autres tambours la malamouté entre guillemets. Bon, en tout cas, a commis les bêtes, à Zalagané les bêtes. Binonde Bobomo reprend dans mon support au sérieux, mais il s'est rébellé contre l'État en publiant Facebook. C'était une rébellion hein? À s'opposer à la norme de l'État, à imposer la norme à Yé. Entre guillemets, pour sauver la nation qui était en péril. A signer accord entre Félix Tshisekedi et Kabila. Nanga était là, John Lumbi était là, Delvin Kaïbe Azalaki, Caleb Azalaki, avec d'autres notabilités à Katanga Azalaki, va signer accord en violation de la disposition conditionnelle pour sauver, entre guillemets, la République. Aujourd'hui, il signe encore des accords avec les alliés de Félix Tshisekedi pour sauver, entre guillemets, la République. C'est un rebelle à vie. Le fait seulement que ces délinquants a violé qui le droit du peuple à Okumara le gamme de Bevo à Kaïd. Ça aussi là. C'est un voyou. Comment voulez-vous? Il y a eu 18 millions de personnes à Bimina Balabal, Nassamboula, au voter. Il y en a Zaki Nazamba. Il y a des gens qui ont fait 20 km pour aller voter. Sans tout ça, la compilation. Quand il y a Bao Moussouba Bandi Moussoufé, ça va. C'est-à-dire que. Sans coûte que ça à compilation, il a publié Tshisekedi avec 7 millions 50 000. Vous pensez que les âmes de tous ceux qui ont été tués à cause de ces élections, Bato, Nyonso, Babunda qui va sacrifier, qui va tendre à Bao, pensez-vous que leur prière vous a entendu? Moi, je tenais vos monnaies, si vous avez reçu à vos mille bons. Nanyuan. Nangawan. Mais alors, qu'il y a des bons monnaies. Et puis, pour Koufanaï, à vos abattoirs, à Koufi, à nous souffrir, parce qu'il a touché quelque chose de très sensible. Vous pouvez barater la dimension métaphysique à tout ça. Apparemment, c'est cet aspect-là qui échappe à certains congrès. Vous savez, chaque fois que vous jetez votre bulletin de vote, vous transférez un pouvoir d'agir à quelqu'un. Si c'est lui-là, Azubango est belé. C'est-à-dire que la taille, il y a un ion positif, il a supéré l'union sur Vatican. C'est lui qui porte la spiritualité du pouvoir. Sur la salité, ça crée des désordres. C'est une dimension mystique. Mais là, on imaginait, quand à l'époque où l'éternel Dieu choisissait Batou pour être roi, qu'est-ce qu'on faisait? Il faut être ouin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas ouindre yo. Le contact avec l'huile, il y a mon nez et d'aller pour revêtir yo le pouvoir mystique du pouvoir. Mais l'élève, comment par les yeux? Au détourné, volonté à peuple. Peuple choisi Fayoulou, yo na Kabila, le grand vous a ramené à mon avis, vous suivez au poni pays serré. T'as vu beaucoup d'amour. Il y a Tchadan, il y a le vide à venir. C'était du gâchis. La peur des 3 ans, j'ai connu toutes sortes d'humiliations. Quoi de plus normal? Parce que vous n'avez pas respecté la nature. Voilà. Et donc, Ngapo Nanga, ce monsieur, c'est un voyou, c'est un délinquant. Mais dans ce qu'il dit, il y a du vrai.
Dans ce qu'il dit, il y a du vrai. Ah, effectivement. Dans ce qu'il dit, il y a du vrai. Comme comme par exemple, le non-respect, il y a la constitution. Monsieur Félix, c'est qu'il a érigé Moliasika, du type tiré genou de l'État. Il a tribalisé la nation. Il a créé un dysfonctionnement. Il a occasionné la malversation financière. Il a créé des pauvres. Il a signé des accords avec des étrangers en sa faveur pour se protéger. Et le même délinquant, Roadeau, il a donné un message. Lui-même aussi, va signer avec Félix Tshisekedi. Si Nanga voulait défaire le monde, c'est que lui-même a créé. Mais s'il va auprès du Rwanda, il ne peut pas compter sur moi. Je peux tout accepter sauf être calé. Moi, parmi Blo, la supportabilité, c'est que le fait d'avoir fait confiance au Rwanda, le fait d'avoir trahi la nation en faveur de moi. Mais le leur moment était les là-bas. Ah, le coup. Ils ont dit Paul Kagame, oh, le bac qui a le bac qui a le bac. Ah, maman. Oui, Félix a le bac qui a la moindre escarmouche. Il est mort à côté, les Marocains. Effectivement, armé pour Baïba. Armé, Paul Kagame, Paul Kagame, il a dit, il est prêt, il vous attend. Maman, vous aurez ces recours à M. Félix. Même son bonjour, c'est un mensonge. C'est le président de la République. Il peut être le président et être un menteur, maman. Comment quelqu'un roule les gars devant tout le monde? Moi, je suis parent. Essayez de vous imaginer, je sors. Papa, vous sortez, oui. Appuyez-moi bien, je vais vous apporter les shawarma. Asseyez-vous. Et puis, la pauvre, comme non, et comprenez-moi, il y a eu des difficultés. Qui vous avait demandé? Yomo, au fond de vie, ce gars-là, ça, c'est manquant. Il a insisté comme un homme sérieux. Ce gars-là, ça, c'est manquant. Il a attaqué. Moi, je pensais qu'il parlait de Nintendo, mais pas PlayStation. Il pensait qu'il pouvait appuyer un bouton, il y a manette, paf! Mais s'il mourait, il va dire, non, il y a tout à l'heure, après, il dit, il parlait de la guerre. Est-il prêt? Il y a une guerre. Pour guerre, il faut décider chaque samedi pour en rendre. Il ne va pas s'en rendre, il va être mineur. Et c'est moyen de décider. Ma dépense, nous sommes dans la boîte, les anatines. Et si la costume au lat change, à tout dans l'Ukraine, le président n'a plus même le temps pour lui-même. Il y a où supporter vos vivres sans conseil, sans musique, sans donc prière. On n'est pas prêt. Nous sommes prêts, mais le commandant suprême est insuffisant, ces pays. D'accord. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts à faire la guerre. Parce que nous la faisons déjà. Mais le commandement est armé. Et eux, ils en ont problème. Parce que le commandant suprême a une insuffisance. Voilà. Parce que le Rwanda a trouvé en pays, c'est Kenny, un fertilisant pour créer ces affaires. Et nous, nous pensons qu'il est temps, il y a pour ça là, fort malheureusement, l'essentiel de Congolais, certaines vérités pour pas avoir rendu beaucoup. Ce qui est un amour anormal, peut-être que Congolais tenait dans la cave. Yo, les qui, alors pas on a dit, alors pas qui sert ça. Et là, vous tout, de bon abus, je n'ai pas dit que ça va bien, pour que ça va chuchio, pour que ça va tout ça. Vous comprenez qu'il y a qui a eu pour ça. Ce qui est un deuxième. À Zangimbo, 7 millions pour nous convoquer le congrès. La dingue. A convoqué le congrès. Mbosso a moutinaye. Bahati a moutinaye. Il a une majorité parlementaire. Mais à la moindre escarmouche, on est quoi inondé. Mais escarmouche. Moutou, bah, toi, comme il y en a un tchou, bah, récupérer, bah, qui wanza, bah, zu, bah, mouka. Bah, nan, écoute, à la ligne, à tenir, à ma répète. D'accord. Moi, j'arrive à l'oukouta, à la bête, à l'oukouta, à mon bête, à la parlement des mots. Merci beaucoup, monsieur Bourdieu. Merci infiniment. C'est à moi de vous remercier.